Bonjour à tous. Dans ce café, on va voir comment se familiariser avec les contrôles checkbox et avec les structures alternatives. Pour cela, on va développer l'interface qui permet de calculer le montant total à payer pour un espace national des livres. D'abord, on a un espace national des livres qui nous propose des collections des livres qu'on peut prêter. D'abord, bien pour acheter par la suite, on peut spécifier le type de la collection, soit histoire, soit histoire, ou bien science, ou bien littérature, ou ainsi de suite. Pour notre cas, on a pris en considération seulement deux types, histoire et science. Si on choisit histoire, par exemple, ici, le utilisateur choisit histoire. La zone de texte sera activée. Il saisit la quantité désirée. Et par la suite, il aura le système où on va calculer la remise et bien sûr le total à payer. En respectant bien sûr l'ensemble des règles de gestion définies dans le contexte suivant. Pour les valeurs possibles de la remise, elles sont: si la quantité totale commandée est supérieure que la 20, 10%. Si la quantité totale commandée est supérieure à 10, 8%. Si la quantité totale commandée est supérieure à la 5, 5% ou 0% pour la quantité inférieure strictement à 5. Donc voilà. Pour la règle de gestion, bien la règle de calcul de la remise. Ici, on affiche le taux de la remise. Le taux de la remise. Qui peut être soit 0%, soit 5%, soit 10%, soit 8%. Pour le prix des ULT, on va prendre par exemple 120 dirhams pour le type soit pour chaque ULT, pour chaque livre. D'accord. Le prix est 120. Pour les types séances, c'est 38 dirhams. D'accord. En plus des règles de gestion, on vous demande de désactiver ces deux zones de texte au démarrage de l'application, c'est-à-dire au chargement de la fenêtre, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'événement load par défaut de la fenêtre. Au chargement de la fenêtre, ces deux zones de texte doivent être inactives. Dans ce cas, on va travailler sur la propriété enabled de l'objet textbox. Et bien sûr, on va le mettre dans l'état false. On va mettre son état false. Est-ce que d'accord? Bien sûr, la nomenclature des objets, pour les zones de texte, on va les nommer txth pour l'histoire, txts pour les sciences, et checkbox ckh pour l'histoire, cks pour sciences, ainsi de suite. Donc on va voir comment implémenter cette solution sous Visual Studio. Déjà, on a travaillé sur cet exercice concernant la conversation. On va ajouter un autre formulaire. Pour cela, on va aller vers le projet, ajouter formulaire. On va le nommer FRM livre. FRM livre. Et bien sûr, on va placer le onglet. On va placer dans l'interface. Pour le titre, c'est Espace national des livres. Et bien sûr, on va directement vers la fenêtre propriété pour changer le titre du formulaire. Espace national des livres. D'accord. Et bien sûr, on va ajouter un groupe books.
vous pouvez faire un accès rapide directement vers l'objet en tapant son nom ici, on fait le clic, voilà, notre radio, notre groupe, Groupbox. Et sur ce Groupbox, il va contenir container de checkbox, ils vont le texte. Bien sûr, ils vont hériter la couleur de fonte. Et bien sûr, parce que vous pouvez changer si vous voulez changer la couleur. Je ne sais pas si c'est pas la couleur de Groupbox, automatiquement on va changer la couleur des contrôles numériques placés au sein de ce Groupbox. Bien. Donc ce n'est pas trop difficile pour l'instant. Ici on va placer de la veine, pour afficher de ce contexte la promise et bien sûr aussi ma totale API, confiance promise et bien sûr totale API. Yes.
on va directement vers relâche. On respire la règle de gestion divine dans notre situation. Bien. Rappelons toujours que notre objectif, c'est de savoir exploiter le contrôle checkbox. Et bien sûr, tant qu'il demandera de langage C#, il se fait alternative pour le cas de notre gros risque, puisqu'on a plusieurs choix. Donc, on a besoin d'une structure alternative pour spécifier quel programme qu'on doit obtenir pour chacun. Bien. La première chose, on va spécifier le scénario. Comment l'utilisateur va interagir avec l'application et créer la réaction du système de l'action de l'utilisateur final. Après, il y a des choses qu'on va prendre en considération lors de la phase de codage. Premièrement, l'utilisateur au démarrage d'une application descend le texte pour saisir la quantité de l'histoire ou bien de science qui vont être inactifs. En chargement de la fenêtre, ces zones de texte doivent être désactivées. Pour répondre à cette question, on va prendre directement vers la fenêtre. Voilà, on va sélectionner notre formulaire, dans ce cas, faire les livres. Et par la suite, on va vers l'élément load, au chargement de la fenêtre. Soit on fait le ici, soit dans le bon forme, on vient ici, on va faire le au chargement de la fenêtre, au chargement de la fenêtre, au chargement de la fenêtre, que l'accent qui va être exécuté, que l'on doit désactiver le rang du texte, de saisir de la quantité. On va faire txt désactivation du rang du texte au démarrage de l'application. Dans le chargement de la fenêtre, ces deux rangs de texte vont être désactivés. Voilà, on a répondu aux premières actions qui dit au chargement de la fenêtre, les deux rangs de texte doivent être désactivés. Ils doivent être désactivés, inactifs. On démarre l'introduction de l'application. Deuxième scénario. Donc, ces deux fenêtres, ces deux zones de texte vont être inactives. Quand est-ce qu'elles vont être activées? Pour la zone de texte TXTH, elle va être activée au changement de l'état de checkbox CKH. Quand est-ce qu'elle va être activée? Lorsqu'on change l'état de ce contrôle checkbox appelé CKH. Pour répondre à cette question, donc le deuxième scénario, c'est que lorsque l'utilisateur sélectionne cette option, coche cette option, la zone txt-xth va changer son état. Sachant que, comme on a vu dans la programmation, on a entendu chaque objet est possible un cycle de vie. Elle doit être un cycle de vie qui est créé à voir un instant. Au cours de sa création, elle change son état au fur et à mesure. Instantanément, on peut changer son état. À la fin, il va être le titre. Donc, trois cas. Il va être créé, par la suite on peut changer son état et par la suite on peut le détruire. En tout cas,
au chargement de la fenêtre, ces objets vont être créés. L'objet va être créé. En même temps, on va changer son état d'activation. On va le rendre inactif. Bien. À un instant donné, l'utilisateur peut changer l'état de cet objet. Comment? Si. If. Pardon. If. Si KH. Point checked, c'est-à-dire si l'utilisateur a coché cette option, donc DXTH doit changer son état et doit être actif. Il doit être actif et on doit affecter la valeur true, la valeur else. C'est-à-dire si l'utilisateur décoche cette option. Et elle va automatiquement changer son état. Enabled est également false. Toujours, comme vous voyez, d'après les concepts de la programmation d'un objet, chaque objet possède des propriétés et des méthodes. On peut changer son état à un instant donné. Voilà. La même chose pour le cas de science. Donc, on fait le public. Donc, on check it changed, c'est-à-dire évidemment, c'est check it changed. Et l'objet, c'est CKS, c'est-à-dire checkbox. On va prendre le même raisonnement. Donc, copier-coller. On va faire CKS, CKS. TXTS, TXTS. De manière simple, change l'état de l'objet textbox dédié pour la quantité de science, de collection science. Voilà. Donc l'événement par défaut pour les checkbox, c'est check it, change. L'événement par défaut des formulaires, c'est load. L'événement par défaut des boutons, c'est clic. Toujours garder favorable à l'événement par défaut. Voilà pour le deuxième scénario. Donc, le premier scénario, au changement de la fenêtre, les zones texte doivent être inactives. Deuxième scénario, lorsque l'utilisateur interagit avec l'interface en cochant ou en sélectionnant ses type de connexion, ces zones texte doivent être actives ou inactives selon le choix de l'utilisateur. Bien. Troisième scénario, c'est on clique sur le bouton café parce que ces deux zones texte doivent être automatiquement inactives. Donc, on ne peut pas changer. Ce sont des données à calculer. Les données à calculer. Ils doivent être toujours inactifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Pour rendre ces deux zones inactives, on va aller directement vers la liste des propriétés. La liste des propriétés. Et bien sûr, on cherche la propriété NAD, on va faire ici false. Voilà. Le troisième scénario, donc lorsqu'on clique sur calculer, première des choses, il doit calculer la remise. Il doit calculer la remise. La remise, le taux de remise est de point de corps. C'est la quantité totale commandée. C'est attention, la quantité totale. C'est-à-dire, la quantité totale, c'est la somme de ces deux quantités. Pour les valeurs possibles dans la remise. C'est d'accord. La quantité totale, la quantité de type collection histoire et la quantité de type science, c'est la somme totale dépasse 20, 10%, ainsi de suite. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, on doit calculer la quantité totale commune. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton calculer,
Combien de choses c'est calculé? Essayer de faire X, d'accord, puisqu'on traite dans ce cas les livres, d'accord, X quantité totale, d'accord, est égal à X point S texte, pardon, TXT H point texte. Donc, à tenir d'où la quantité commandée bien. Collection de type de soi plus 11.s txt s.txt dégage la quantité totale de la collection de type science. Voilà. Donc, lorsqu'on multiplie la quantité totale, on peut calculer l'autre volume. Là, dans notre texte, on vous demande d'afficher l'orthogramme ici, pas l'orthogramme ici, l'orthogramme. Pour calculer et afficher l'orthogramme, on a combien de choix? 1, 2, 3, 4. D'accord. 4 choix. Donc, on va utiliser. Donc, première chose, on va déclarer la variable l'orthogramme. On peut faire est égal par défaut 0 pour éliminer un choix. Il nous reste pour l'instant le choix 1, 2, 3. Donc, c'est encore deux structures alternatives if. Donc, if quantité totale supérieure ou égale 20, dans ce cas, notre remise égale 0,1, c'est-à-dire 10%. Else if, tabulation, quantité quoi, supérieure ou égale, combien? Entre 10 et 20. Notre remise égale 19, pardon. Entre 10 et 19. Parce qu'ici, on a fait supérieur ou égal 20. C'est-à-dire quand c'était inférieur strictement à 20 et supérieur ou égal à 10. Entre 10 et 20. Dans ce cas, c'est 0,08. 0,08. 8%. Un seul cas, puisque le cas de 0, on a pris comme par défaut, donc il nous reste un dernier choix, T1 est égal à 0,05. Donc, comme ça, on a terminé le calcul de l'orthogramme. Donc, T1 est égal à 0, si vous remarquez ici, la signalée. La valeur terre est assainie, mais sa valeur n'est jamais utilisée. C'est pas général. Est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste le total à payer. Le total à payer. Le total à payer, ça vaut combien? C'est égal à la quantité S3 multipliée par 120 plus la quantité totale séance fois 30 minutes moins la somme qui est là, on va voir l'autre gros.
très importante. La deuxième chose, on va calculer la somme à payer avant remise. Avant remise. Maintenant, total. Pour calculer,
lorsque l'utilisateur change d'état de, on va dire, retour, lorsque l'utilisateur change d'état de checkbox, lorsqu'il est actif, normalement, TXTH va recevoir le focus automatiquement sans que l'utilisateur fait l'action de placer le curseur dans le bon texte. Le système doit automatiquement se positionner dans la zone texte pour CD. Texte ne contient pas une variable, n'est pas de force, non, mais il y a quelques façons de vous sauver et pour vous disposer ce que vous voulez faire. Pas de force, on va commencer. Donc vous pouvez utiliser ce que la transition pour ce problème ou bien faire comme ça. Par défaut, vous comptez un peu gros. Voilà, comme vous voyez, donc 100, 0, 1, 10 800, 10 800, donc le chiffre 1, 10 200, 10 100, c'est la politique que ce soit. Calcul montant total à payer pour le bouton effacer et éditer, c'est la même chose qu'on a vu dans les dernières démonstrations. Donc voilà tout ce qui concerne le calcul de montant à payer pour les téléphones. En plus, bien que l'information de l'objectif de TTP concernant la familiarisation avec les checkbooks, à savoir manipuler les checkbooks, toujours comme vous voyez, on utilise, on exploite la propriété checker qui est vraiment checker scan, et bien sûr, l'utilisation des structures alternatives. Donc voilà, nous pouvons